ce dimanche, nous avons 7 matchs qui se jouent en Ligue 1 française. Parmi ces 7 matchs, je t'ai sélectionné le match le plus intéressant pour trader l'over 2,5 en live durant le match. Je vais t'expliquer pourquoi ce match avec les stats et les cotes. Avant de passer à la partie analyse, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et je te remercie d'avance. Alors, le match que j'ai choisi parmi les 7 de dimanche en Ligue 1, c'est Montpellier-Toulouse. Alors, trader l'over 2,5 en live, ça signifie déjà qu'il faut partir avec de la value de son côté sur la cote pré-match qui est à 1,87 comme tu peux le voir ici. Déjà, l'indicateur de value est au vert sur Goal Profits. Mais ensuite, si tu regardes les statistiques, c'est assez justifié vu qu'on a une cote de 1,87. Alors, 1,87, je prends vite ma calculatrice et je te dis à quelle probabilité ça correspond. Ça correspond à 53%. Allez, on dit à 55%. Ok, donc le marché estime qu'il y a 55% de probabilité qu'il y ait plus de 2,5 buts. Pourtant, quand je vois les statistiques, tout me pousse à croire que cette probabilité est plus élevée, ce qui signifie de l'intérêt pour la cote et de la value. En effet, les statistiques pour le plus de 2,5 buts sont assez incroyables pour Montpellier. À domicile, c'est 11 matchs sur 15 avec plus de 2,5 buts, soit 73%. Et pour Toulouse, c'est 11 matchs sur 14 matchs en déplacement. Donc, c'est des cotes énormes. Retiens toujours qu'en football, la moyenne, c'est 50%. Okay, donc là, on est bien au-dessus. Et bien au-dessus des 55% que suggère la cote. Idem si on prend que les matchs contre des adversaires similaires. On reste, comme tu vois ici, avec des chiffres tout aussi élevés. 88% d'over 2,5 à domicile pour Montpellier, 71% d'over 2,5 pour Toulouse à l'extérieur. Autre chose que tu peux regarder, c'est les matchs récents. Okay, je regarde les 5 matchs récents à domicile de Montpellier. On a 1, 2, 3, 4 des 5 derniers matchs de Montpellier à domicile ont eu plus de 2,5 buts. Donc, on est vraiment dans une dynamique de buts. Okay, et pour Toulouse à l'extérieur, c'est 1, 2, 3, 4 matchs aussi parmi les 5 derniers déplacements de Toulouse. Donc, au cumul des équipes, on a 8 matchs sur 10 récemment, avec plus de 5 buts. Donc, sincèrement, je trouve que la cote est très très bien payée au vu de ces statistiques. On est en cote pré-match, mais n'oublie pas que cette sélection, c'est pour trader en live. Okay. Trader en live, ça veut dire que tu vas rentrer dans le match au plus tôt, mais c'est vraiment au plus tôt, à la 15e minute. La cote aura certainement dépassé les 2, okay, mais si tu attends encore un peu plus longtemps, eh bien cette cote va encore augmenter. Tu prendras ta décision en fonction de ce que tu vois, soit à la télé ou soit sur un logiciel de statistiques live. Okay. Si tu ne sais pas du tout comment trader l'over 2,5 pendant un match, je te laisse le lien de ma formation Trading Sportif dans la description de cette vidéo. Elle est gratuite et je t'explique des stratégies simples pour commencer, pour trader l'over 2,5 et même d'autres types de paris. Donc, clique sur le lien dans la description de cette vidéo, demande la formation Trading Sportif et tu sauras comment trader ce match. Il me reste, donc au niveau de la mise, j'ai aussi oublié de te dire, en pré-match, c'est une unité maximum 2% de ta bankroll, mais ici, en live, il faut savoir que la cote va bien augmenter, donc tu peux même descendre à 0,5, en dessous de 0,5 unités facilement, sur ce match, donc bien en dessous des 1%. Alors, il me reste à te souhaiter un bon week-end et un excellent trade si tu le fais sur Montpellier-Toulouse. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.